Deuxième winner quarter, Pigeonox Okofolo, qui aime les crêpes au Nutella, ici de mon Nitox. Bah, dis-moi dans les commentaires, toi, YouTube, est-ce que tu aimes les crêpes au Nutella? Moi, je préfère au sucre confiture, j'aime pas le Nutella. Sans parler de l'huile de palme, ça, hein, niveau goût, c'est pas trop un délire. N'hésite pas à donner ton avis sur Twitch, pareil, à donner votre avis, même si je m'en fous de vous. Mais YouTube, par contre, votre avis en commentaire. Alors, ça. Alors que Nolan a joué son match alors qu'il a dégagné par forfait. Enfin, en tout cas, Okofolo qui prend un gros avantage. Une pigeon et son nouveau main, robe vert. Pour moi, ça évitera d'avoir une confusion entre les deux robes, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ouf, le backer. Oh, il était tellement nature sur l'edge. Je commande pas trop, hein, je vois un petit peu le chat, on parle de prep au Nutella. Depuis petit, je dis ROB. Enfin, moi, je dis Rob. Moi, petit Rob, on connaissait pas. Il avait juste crash. Ok. Ça arrive. Bon, ce qui compte, c'est que le match a été joué, du coup, on va juste changer le score. Et déjà pouvoir jouer la suite. Contre Dunker. Maintenant, il faut que le loser side avance. Vous n'avez pas trop de retard, donc c'est pas trop grave. Hein. Mais tu fais des crêpes pour la fin du tournoi, Zertit? Il y a ce qu'il faut, je crois, dans le frigo. Je commence à avoir faim. N'hésite pas. N'hésite pas, en tout cas, c'est parti. Deux stocks des deux côtés pour l'instant. Ça remonte tranquillement le couteau au Okofolo. Il grave directement avec le backer derrière. Ça va comboter au Okofolo qui va s'y mettre une pression maintenant. Récupérer l'avantage du neutral. Pigeon, il avait beaucoup de mal en début de game. Et puis il a pris ce stock très early. Et Pigeon qui ne reviendra pas à un nouveau main, forcément. On passe de robe rouge à robe vert. Ce qui est parti, hein, j'ai pas commenté, mais je pense que visuellement ça suffit. Je crois que je suis mort là. Et je ferai sûrement pas de crêpes. Comment ça, Zertit? J'ai faim et ça fait pas de crêpes à Pierrot. J'ai crêpe au sucre là. Alors, ou alors, plus gentiment, tu fais une crêpe. Ensuite, tu mets beaucoup de béchamel dedans, une tranche de jambon, des champignons. Tu la mets dans un plat, tu rajoutes de la béchamel au-dessus et tu la fais cuire au four. Et là, je pense qu'on peut se régaler. Là, je pense qu'on peut s'entendre. N'hésite pas. Après, Nae, je comprends ta réaction, bien sûr. Alors, ce backer va être trouvé très profond de la part sur la roll là, direct après le donner. Je te donnerai raison en soi, Nae, mais je pense le mieux à faire, c'est toujours de passer à autre chose. Et si la personne en face, quand il s'est excusé, du moins, s'il s'excuse pas, passe à autre chose. Quand elle s'est excusée, il faut se dire, ok, je passe à autre chose. Parce que c'est aussi être un adulte de passer à autre chose. Mais que si la personne en face change pas et continue son comportement, là par contre il a encore plus son tort, parce que du coup ça veut dire qu'il a pas compris. Ça passe toujours d'essayer de passer à autre chose un maximum et de faire que ça se passe au mieux, sinon il n'y a pas d'intérêt de participer à des événements, se voir en groupe et autres. Je te vois parler, j'ai pas de score. Quelle vie. Tu sais, j'ai passé 2 ans à me prendre quand je jouais Twin Links au début de Smash 4, c'était ah là, le perso horrible avec le cancer, hein, on peut pas l'approcher, des projectiles. Bon, après Bayo est sorti, j'étais tranquille, tu vois, heureusement qu'il y a Bayo. Puis ils sont adaptés en fait, c'est juste faut le temps que certains adoptent la mentalité positive et arrêtent de parler pour rien. C'est comme ceux qui disent ah ça lag, j'ai perdu pour ça. Non, celui que je joue en ligne, c'est de la merde et c'est point barre, c'est comme ça. On peut mettre des photos de nourriture, tu peux mettre ce que tu veux dans Media tant qu'il n'y a pas de choses illégales. Et plus 18. Sinon oui, tu mets ce que tu veux dans Media, pas de problème. Et respectueuse. Bien entendu, si tu mets de la bouffe, tu peux. Ça, il n'y a pas de soucis. Ouais, Isaac Urbix, maintenant, t'as fait... là, tu as fait 0-2, mais t'as fait une belle run, hein, le match peut-être contre TOK, mais même si c'est très compliqué.
J'ai vu des belles choses et j'espère que tu progresseras, que tu continueras de participer. Ça ira un peu plus vite les prochaines fois. Allez, pour l'instant, qui sera parti du côté Okoflow qui est pour l'instant, du coup, ça fait 1-0 pour Okoflow, je rappelle. Sur ce match, on a suivi qu'à moitié parce qu'on a beaucoup discuté avec le chat des situations, il y a eu des histoires, comme toujours. Hein. Si dans un commu smash, il n'y a pas d'histoire, c'est qu'elle est devenue adulte. Et ça, ça arrivera jamais. Hein. Donc, toujours des histoires pour des broutilles, très importants. Et toujours en ligne, même quand c'est toujours offline, il se crée des embrouilles que tout le monde s'en fout en ligne, tu vois. Et c'est ça qui est beau dans ce match. Quand tu vas en off, tu vois, ouais, c'est cool, bonne ambiance. Et après, tu vois l'online, tu te dis, mais plus jamais, je veux parler à ces gens, ils me font peur. Non, allez juste en off, kiffez avec votre communauté et moquez-vous du reste. Et évitez Twitter si vous aimez pas les gens un peu stupides, si vous aimez pas les dramas inutiles. Et mettez des photos de bouffe. Oui, des photos de bouffe, c'est bien. Moi, j'aime bien les photos de bouffe. J'aime bien les photos de bouffe. Pour l'instant, Pigeon va dominer cette seconde game, par contre, pendant ce temps. Tranquillou. Et qui va peut-être pouvoir égaliser à un partout cette winner quarter. Non, Silver, il y a rien de spécial. Pour une fois que t'es pas dedans en plus, t'es tout seul. GG Naï pour ta win. Donkey Nolan, ça joue du coup. Plania qui a battu 0 Sidas. Bien joué à toi, Plania. Tu step up toi aussi. Hein. Tu step up pour Piton Labo qui a battu Loons. Bravo à lui. Macroft, Smogame qui joue aussi en loser. Endor Goldfro. On a des bons joueurs qui commencent à petit progresser. Bakir, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, on dit ouais, t'es quoi de ton côté? T'es mieux. Mais non, en vrai, c'était intelligent, je pense. Parce qu'il savait qu'il tuait pas de toute façon, donc il a essayé un Bakir. Okoflow, bien sûr, l'a bien anticipé, parti à gauche, à droite, c'est un regard sur le terrain, c'est ce qu'il fallait faire. Mais c'était pas trop mal ce qu'il a fait. La Pigeon aurait pu tenter un reverse jump Bakir, hein, mais bon, c'est compliqué. Comment ça, le streamer? Comment ça, Ah oui, le stream est mort. Le stream est mort, apparemment, bah, le match va être dégueulasse. Le stream, mais au secours! Mais qu'est-ce qui... Qui télécharge Azertit. On va accuser Azertit qui fait mourir le stream. A l'aide. A l'aide pendant que Pigeon revient à... Revient à un partout sur cette game alors que le stream décède. Alors que Fro a perdu 2-0. Ça vient pas de mon PC la connexion. Pourquoi le stream décède? Ça va se calmer, j'ai l'impression. Ça s'est calmé, c'est génial. J'espère que tu t'amuses YouTube de nous parler de problèmes de connexion. Ouais, on va dire que c'est tes appareils qui m'embêtent, Azertit. En tout cas, ça s'est calmé. Et c'est revenu, vous avez sûrement un décalage de 15 ans maintenant sur le stream. Et ça, c'est bon. Après, c'était en partie ironique, mais bon, je comprends que c'était gêné. De toute façon, faut pas hésiter à le dire directement, en fait. Quand quelque chose te dérange, faut pas attendre la fin et dire « Ouais, j'ai pas aimé ça, tout de suite », et dire « Je vois plus ». Tu vois, faut mieux se dire « J'aime pas quand tu fais ça, arrête s'il te plaît, ça me plaît pas ». Et l'autre s'excuse et on passe à autre chose. Si t'attends forcément que ça s'émancipe, que ça continue d'enchaîner, ça va plus te perturber et ça va être plus dur de passer à autre chose derrière. Ouais. Ah, c'est la faute de Nitox. C'est Nitox qui a bouffé la connexion. Qui a même pas encore envoyé la photo d'ailleurs. Du coup, Azertit doit être très déçu d'avoir bouffé la co pour ça. On remercie Azertit qui a fait planter le stream pour lancer Discord. Bravo. Hein. Bravo Nitox. Bravo à lui. Avait une image, bah oui, non, mais oui. Alors que t'as un téléphone. Allez, en tout cas, pour l'instant, c'est très even sur cette seconde game. Je trouve que c'était la dernière qui passait. Et ça a pris pas encore la stock. Gogesta qui va l'emporter 2-1 face à Simion. Incroyable, j'ai déjà eu.
Ça, on te l'a déjà dit 15 milliards de fois, Silver. Il donne ce repère. Smash directement de Proubias, le premier pourtant, il n'y a pas grand chose à faire. Qui a gagné la première guerre? Ça fait un partout là, Gogesta. Ça va être bizarre, ça passera pas cette phase. Mais il a eu très chaud, Koflo, je pense en vrai. Il a eu très chaud ce stock, il a failli se faire 0 to death. Alors qu'il y a un léger lag qui est en train de se provoquer, j'espère que ça va se calmer aussi. Mon Maku est revenu. Donc, c'est Gogesta, oui. Atterris-toi quand même. Alors que le stream de Pokémon continue à diffuser. Incroyable ce live Pokémon qui ne diffuse rien, bravo. Bravo Silver. Go passer. Voilà, parfait Fouinier. J'aime beaucoup ta. La mentalité. On passe à autre chose, on se focus sur autre chose et on passe un bon moment. Puisque c'est un tournoi que je rappelle et censé juste être fun. Et que toute personne qui. Je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, dès qu'une personne va dire oh non, on va ça, ouah, blablabla, je vais DQ direct. Alors certes, on n'aura plus que personne au pot au bout de 2 semaines. Mais au moins, vous serez calme. Pokémon, par contre, il a rien. Depuis quelques heures. Je crois qu'ils ont fait un live Pokémon Shield and Sword, si je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas eu beaucoup d'infos et ça stream très très longtemps. Alors que Macroft gagne 2-0 face à Smogon. Bravo à toi, Macroft. Bravo à toi. Bah, care. Oh, mais en fait, Pigeot s'est fait avoir. Et c'est. Oh, mais j'ai rien suivi du match, je suis désolé. Mais j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si vous l'avez suivi, est-ce qu'on discute beaucoup? On discute beaucoup. Mais Pix, pour l'instant, il y a un coup de gagner 2-1 sur cette rencontre.